Si, au palais des papes, nous recevons de plein fouet les créations violentes de ces cinq papesses, c'est à la collection Lambert, dès l'entrée, que le ton est donné. Une grande photo de l'entrée de l'asile de Montfavet à Montevergue nous propose d'y pénétrer. Ces cinq femmes semblent plutôt avoir fait tout ce qu'elles pouvaient, c'est-à-dire de l'art, pour justement échapper à la folie. Louise le dit d'ailleurs dans le film de Brigitte Cornan. À part Camille, qui a vraiment été à l'asile et y a passé plus de 30 ans, aucune des quatre autres n'y a fait de séjour. Et encore, Camille Claudel s'est à son corps défendant. Si elle n'avait pas eu cette mère haineuse, elle n'aurait pas dû y rester. Son amant Rodin l'a laissé tomber et son soi-disant chrétien de frère, celui du soulier de satin qui a reçu la révélation divine, ce grand intellectuel écrivain et ambassadeur de France, a laissé mourir sa géniale sœur qu'il aimait tant. Sa mère a payé le moins cher possible la pension et Camille est quasiment morte de faim en 1943. Personne n'est là pour ses obsèques. Elle est enterrée dans une fosse commune. Voilà comment une famille bourgeoise, bien pensante, a maltraité un génie. Une femme sculpteur qui nous a laissé une œuvre des plus sensibles. Ses implorantes à genoux sont toujours bouleversantes d'humanité et de souffrance. Les quatre autres ont fait, comme tout le monde, ce qu'elles ont pu pour ne pas tomber dans la folie. Louise Bourgeois, on le sait, était folle de sa mère. Elle a tenté de se suicider à sa mort. Elle détestait son père et à travers lui le pouvoir des hommes. Son travail très sexualisé montre des phallus, des boudins enroulés, des araignées géantes, une référence à son univers de l'enfance, de fil, de broderie, de bobine, qu'elle a vécu chez ses parents tapissiers. Morte à 99 ans, elle a laissé une œuvre multiforme, extravagante, des dessins faits dans son lit aux installations monumentales d'immenses araignées en métal. Elle dérange encore. Berlin de Bruyckaert a des problèmes avec son corps, ou surtout celui des autres. Incomplet, monstrueux, des chairs meurtries, déformées. Qu'on tente de réparer avec les moyens du bord. Des cautèles, des tissus défraîchis vaguement enroulés autour de plaies supposées. Elle travaille avec des troncs d'arbres, des tissus, de la cire, de la résine, en leur donnant l'apparence de chair en souffrance. Même si ses parents étaient bouchers, cela ne suffit pas à expliquer cette obsession pour la déformation des corps. Son monstrueux cheval sans tête, pendu, dit aussi l'horreur de notre traitement des animaux. Jana Sterbak, elle, soumet le corps des femmes au froid, au feu. Elle leur ajoute des poils sur la poitrine. Elle les sculpte en verre, en céramique. Elle joue avec les cheveux, la transpiration, la viande, le chocolat, le pain. Elle explore des univers enfantins, celui des contes de fées comme la princesse au petit pois, celui de pain d'épices ou de la pomme d'or. Elle travaille sur le corps et l'identité, mène un combat contre l'aliénation des femmes, leur oppression. Pour les femmes engoncées dans des corsets, elle crée des crinolines à roulettes. C'est elle qui a créé la première robe en viande. Kiki Smith semble la plus joyeuse des quatre. Elle se dessine et se peint avec de l'argent, de l'or, se met en scène dans des tapisseries de type médiéval, s'entoure d'étoiles, d'oiseaux, d'un loup énigmatique, ou se représente en sorcière sur le bûcher avant qu'on ait mis le feu. Un beau bronze face à une magnifique verrière à arcades trilobées. Son coup de génie, c'est d'avoir organisé à New York une procession pour l'art, avec elle à la place de la Vierge, la roue de Duchamp et une figure de Giacometti comme icône portative. On ne sait pas grand-chose de la papesse Jeanne.
probablement une légende. Mais ces papesses-là semblent plutôt des femmes sans pouvoir, dépassées par la dureté du monde, et qui ont trouvé dans l'art le moyen extrême de conjurer leur folie. La folie inhérente à l'être humain, à sa perversion d'être parlant, et aux névroses familiales.